la croix, au pied du maître, à genoux, je fais mon choix. Sans disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Brebis de sa bergerie, nul ne m'ôte de sa main. Sur les monts, dans les prairies, oui, mon bonheur à la croix, à la croix, au pied du maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Sans disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Depuis lors, au choix splendide, la joie de me dans mon cœur. Adieu mes soucis perfides, car Jésus, je suis vainqueur. Adieu vaines convoitises du monde qui me tenta. J'ai trouvé la paix promise dans le sang du Golgotha. À la croix, à la croix, au pied du maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Sans disciple, je veux le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous, s'il vous plaît, nous allons. Nous lisons dans le livre des Psaumes au chapitre 8. Psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8, nous lisons la parole du Seigneur. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Que ta majesté s'élève au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Je chante la croix, car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix, car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché en la chair.
choses impossibles pour tout humain. Par un danger, t'es esclave du péché. Il a fait, il m'a libéré. Il a tout m'a franchi du péché. Chose impossible pour tout humain. Par un danger, t'es esclave du péché. Il a fait, il m'a libéré. Puisse la plus m'a franchi du péché. Tu l'as fait, notre Père. Tu l'as fait, notre Seigneur. C'est pourquoi nous nous inclinons devant toi pour reconnaître ta grandeur, mon roi. Il n'y a pas d'autre roi que toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre sauveur que toi. Et tu as dit, hors de moi, il n'y a point de sauveur. Nous te sommes vraiment, profondément reconnaissants, mon sauveur. Oh Dieu, pour les sacrifices parfaits que tu as accomplis. Seigneur, tu t'es offert toi-même pour le salut de ton peuple, mon Seigneur. Louange et honneur à toi. Et en retour aussi ce soir, nous voulons te louer encore. Nous voulons t'exalter, Seigneur, toute notre vie entière, Seigneur. En reconnaissance à ce que tu as fait, Seigneur, tu nous as vraiment libérés, Seigneur Jésus. C'est pourquoi, c'est vrai, notre vie te soit vraiment parfumissant comme un parfum de bonne odeur. Que nous puissions vraiment être conformes à ta volonté à toi. Seigneur, aide-nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Même dans nos faiblesses, mon roi, soutiens-nous encore davantage, mon roi, pour que nous puissions avoir ces ailes davantage dans nos âmes, Père, tu me sens, Dieu, pour ta gloire à toi, pour ton œuvre à toi, bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh Dieu, peu importe notre état, notre situation, Seigneur, souviens-toi de nos participations, du désir que nous avons, Seigneur, de pouvoir te plaire, mon roi, en connaissant ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu ne t'es point lassé, mon roi. Tu n'as pas abandonné, mon bien-aimé Père Tubissant, ni même pas découragé, mon bien-aimé, Seigneur. Mais tu as continué à avancer, Seigneur. Oh Père Tubissant, n'a pas regardé les crachats, même la couronne d'épines, mon bien-aimé Père Tubissant, même le fouet, bien-aimé Père Saint-Dieu. Gloire à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es vraiment merveilleux, Père. Tu es vraiment digne de gloire, digne d'honneur, mon roi. Tu as combattu seul, mon bien-aimé Seigneur. Tu n'as pas été soutenu, mon bien-aimé Père du sang. Oh, que ton nom soit exalté, Seigneur. Tu as été le seul à fouler au prévoir. Tu as reçu la colère de Dieu sur toi, mon sauveur béni. Mon âme te loue et t'exalte, mon Seigneur. Comment ne pas te glorifier? Mais comment ne pas t'exalter, Seigneur? C'est pour ça que tu m'as donné une bouche pour te louer, Seigneur. Je te louerai, Père Saint-Dieu. Un cœur pour t'aimer, mon roi. Je t'aimerai, mon bien-aimé, Seigneur Jésus. Oh, les mains pour battre pour ta gloire, Seigneur. Je le battrai pour toi, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Louange et honneur à toi. Béni soit le nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Tu es vraiment l'étoile brillante du matin, Seigneur. Nous te remercions pour le soutien, le secours, mon roi, qui ne te cesse d'apporter à ton peuple, à toi, Père Dieu. Merci encore pour ta lumière, encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous te disons donc de tout notre cœur, Père, merci. Merci, Seigneur Dieu. Merci pour ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait pour mon frère, ce que tu as fait pour mon enfant, ce que tu as fait pour ma fille, pour mon époux, pour ton père, bien-aimé Père Saint-Dieu, pour chaque frère et pour chaque sœur, mon roi. Nous te remercions, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que tu nous as donné vraiment des frères et des sœurs, une famille en Christ, mon roi. Loué soit l'éternel notre Dieu. Béni soit ton Saint-Nom encore ce soir. Pour tous nos frères et sœurs qui sont aussi répartis par le monde entier, bien-aimé Père Saint-Dieu, qui te reconnaissent toi comme le seul sauveur. Nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Merci pour les chants. Merci pour les cantiques. Merci pour les psaumes. C'est vrai, tu es merveilleux, Père. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni, qu'il soit exalté et glorifié. Que notre Dieu vous bénisse richement, qu'il vous soutienne, qu'il vous fortifie. Vous pouvez vous asseoir. Oui, comme le cantique l'a dit, je chante la croix. Oui, c'est là que nous réalisons combien le Seigneur a été bon pour nous. C'est là aussi que la victoire a été donc obtenue pour qu'aujourd'hui nous puissions être debout et parmi aussi les vivants, pour pouvoir exalter le Seigneur, notre Dieu, pour ses bienfaits. Ces bienfaits dont nous sommes certains, et nous le disons avec certitude, ils sont tellement innombrables dans notre vie.
C'est pour ça que même quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Et comme David le disait, ta houlette et ton bâton donc me rassure. Nous avons cette grâce et ce privilège que Dieu nous a accordé de pouvoir être dans ce chemin qui nous a donc placé. Et comme lui-même, notre Seigneur, nous a montré aussi comment y être, puisqu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous faisons peut-être un regard vers l'arrière, nous considérons effectivement aussi tous ceux-là qui nous ont précédés, nous voyons comment ils ont eu à pouvoir marcher en ayant confiance en l'Éternel, notre Dieu, en ayant aussi cette foi en lui. Et dans les épreuves, dans les difficultés dans lesquelles ils ont dû à pouvoir passer, leur confiance et leur foi étaient restées donc inébranlables. Et nous avons vraiment vu aussi ce que cela aussi a produit aussi également. La Bible parle de Moïse comme cet homme qui a regardé l'opprobre de Christ notre Seigneur comme étant une grande richesse. Il n'a pas pu mettre son cœur ni arriver à pouvoir réellement aussi se réjouir et prendre plaisir dans les richesses de l'Égypte parce que il pouvait être le roi d'Égypte. Il avait donc la possibilité de pouvoir se réjouir effectivement aussi en Égypte. Mais quand il a jeté le regard vers ce peuple qui disait là, effectivement, qui était esclave et maltraité, parce qu'ils étaient tellement différents. Les Égyptiens se considéraient comme étant un peuple tout à fait supérieur. Et quand il regardait les Juifs, effectivement, les enfants d'Israël, effectivement, il les trouvait comme étant des gens qui n'ont pas le droit de vivre, effectivement. C'est pour ça qu'ils les ont pris, effectivement, ils ont fait d'eux des esclaves. Des esclaves pour nettoyer leur maison, des esclaves pour pouvoir prendre leurs enfants, pour pouvoir bâtir effectivement tout. Et tout ce qui était comme travail à pouvoir faire, eh bien, c'était donc les fils d'Abraham, donc la postérité d'Abraham, les enfants d'Israël. Personne, ce moment-là, ne pouvait vouloir être dans cette condition parce que tous visaient les statuts les plus hauts, c'est-à-dire être un Égyptien. S'accompagne avec les honneurs parce que c'est eux qui dominaient, en fait. C'est quand même extraordinaire, effectivement, de voir comment Dieu, lorsqu'il a un plan pour quelqu'un, et que vraiment que Dieu est dans une personne, la façon de voir les choses est tout à fait différente. C'est extraordinaire. C'est toujours une grande leçon pour nous, effectivement, aussi. Nous le voyons aussi avec, aussi comme cet homme Daniel. Daniel, quand il a eu à pouvoir donner l'explication, effectivement, d'abord le songe et l'explication aussi au roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar est tombé de son trône. Il s'est incliné. Il a reconnu que dans cet homme, c'est vraiment l'Esprit de Dieu. Et c'était Dieu lui-même, effectivement, aussi. C'est pour ça qu'ils ont fait la statue de Nebuchadnezzar. C'était seulement la statue de Daniel. Parce que, en lui, on a réalisé qu'il avait une sagesse extraordinaire, que les satrapes, les magiciens ne pouvaient même pas atteindre, effectivement. Mais ce qui est merveilleux dans cet homme, c'est là qu'on voit l'Esprit de Dieu, comment Dieu saisit et tient les siens, effectivement. Et Daniel, qui lui regarde, qui dit qu'effectivement, que ce n'est pas que je suis supérieur aux autres. Ah non, 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 non. Je suis comme tous les autres, mais c'est seulement la grâce de Dieu que Dieu m'a accordé à ce que je puisse avoir cette grâce de pouvoir invoquer son nom et de pouvoir aussi se révéler aussi à moi. Alors, Nebuchadnezzar, dans son élan de cœur, effectivement, il a pris des cadeaux, les titres, effectivement, pour lui donner des non, non, non. Je n'ai pas besoin de ces titres et de ces cadeaux, effectivement. Il faut les donner aux autres, effectivement, pas à moi. Alors, on nous dit que lorsque Moïse regarda, effectivement, ce peuple qui, ici, effectivement, qu'on fouettait, qu'on maltraitait, effectivement, c'est la grâce de Dieu que cet homme a eu à pouvoir avoir un regain de regard en disant, mais c'est quand même extraordinaire. Parce que tout ce qui est méprisable, quand on méprise, effectivement, on ne peut pas vouloir être comme cela. Et puis tout le monde, effectivement, voudrait être comme aujourd'hui. Si nous sommes des Américains, nous sentons effectivement supérieurs. On est tellement supérieurs. On veut être dans cet élan d'être supérieur, mais descendre. Et faire partie de ce peuple, effectivement, qui est méprisé. Effectivement, je ne crois pas qu'un être humain normal qui pense, effectivement, voudra cela. D'ailleurs, juste simplement un exemple que ça ne vous choque pas. J'espère bien que ça ne vous choque pas.
Regardez, regardez par exemple, je donne un exemple, hein. Faut pas toujours être un exemple. Regardez aux États-Unis, les Noirs américains. Je vous donne, un exemple. Moi, je pense, c'est quand même fort triste de voir que là-bas, c'est, que ce soit les hommes et les femmes, ils doivent s'écorcher les cheveux pour ressembler aux Américaines, qui sont donc des Européennes. Ça, vous le savez. Elles font tout, ceci, cela, pour que, cela. Pourquoi? Parce que, ils se considèrent comme étant une race supérieure. Et les autres sont des inférieurs. Alors, à ce moment-là, des inférieurs, ceux qui se considèrent comme des inférieurs, effectivement, ils veulent tout faire, c'est des considérants, donc, pour quand même se ressembler à ceux-là. Vous vous sentez mal à l'aise? Non, vous ne devez pas vous sentir mal à l'aise, quand même. Parce que ça, ce sont les termes des hommes. Maintenant, regardez, comparé à cela. Maintenant, comme on est en Égypte, les Égyptiens, par rapport, effectivement, aux Hébreux. Donc, les Hébreux étaient dans la basse classe, effectivement. Alors, Moïse était dans la classe, effectivement, des Égyptiens. Au niveau là, un peu plus. Prénom, par exemple, bon, vous quand même changez un peu parce qu'il vous dit, ah, vous me regardez un peu, je dis, bon, prénom, hein, un peu. Et les présidents qui vont être président des États-Unis, par exemple. Joe Biden, il vit à la Maison-Blanche. Il sort un peu, il regarde là, il dit, oh là 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 là. Quand il voit ces gens-là qui vivent dans les Bronx. Vous connaissez les Bronx? C'est les quartiers là, des bars, où il y a tout, les drogués, les fazis, qu'on considère qu'on n'aime pas du tout. Il dit, moi, Joe Biden, président des États-Unis, qui vit dans le palais Amazon Blanche, je vais descendre pour maintenant vivre avec les Bronx. Mon frère a même ri. Pour dire que c'est impensable. Eh bien, Moïse était comme ça. Parce qu'aujourd'hui, comme mon frère a fait, on considère que les États-Unis sont grands, mais l'Égypte était une grande puissance qui dominait. Moïse était une grande... Vous savez, dans ces statues-là qu'il était, effectivement, c'était Pharaon, c'était comme Joseph, s'il était aussi. Mais cet homme-là, quand il a jeté le regard, il a regardé ces hommes-là qui étaient méprisés et qui ne valaient absolument rien. Il faut vraiment que Dieu se saisisse d'un homme. C'est une grâce extraordinaire. Qu'il puisse vouloir. Il dit, il a regardé. Vous avez lu ça? Dans les livres des Hébreux, non? Il a regardé l'opprobre. L'opprobre de Christ notre Seigneur. Comme étant la chose la plus, une grande richesse. Bon, nous pouvons le lire effectivement dans le livre des Hébreux au chapitre 11. C'est pour que nous comprenions effectivement que quand Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir le connaître, de l'avoir et de vivre pour lui et avec lui, beaucoup de choses changent dans notre vie. Il y a une façon de voir qui change complètement nos regards, même la façon de regarder les choses. C'est-à-dire que les choses que les autres tiennent, ils apprécient, qu'on peut même tuer quelqu'un pour cela. Toi, tu regardes cette chose-là, mais avec un autre regard. Et pourtant, tu es un être humain, avec le même désir, la même passion. Mais quand toi, tu le regardes, c'est tout à fait différent. Alors, Hébreu, je crois que c'est le chapitre 10, effectivement, c'est cela aussi que nous pouvons lire. Je pense que nous continuons. Voilà, c'est... Voilà, chapitre 11, pardon. Hébreux chapitre 11, verset 23. Il dit. Donc, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut donc caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. 24, il dit, mais c'est par la foi que Moïse, vous entendez cela? Devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance de péché. Regardant donc l'opprobre de Christ
comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi aussi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est donc invisible. Donc, vous voyez qu'effectivement, que ce sont des choses qui se sont réellement passées. Ce n'est pas une histoire, effectivement, mais des hommes, un homme, effectivement, qui avait une position tellement si élevée et qui regarde des gens qui étaient tellement dans le bourbier, comme maltraités, effectivement, et cet homme-là a désiré être à la place de ces hommes-là. Parce que il y avait quelque chose qu'il a eu la grâce de pouvoir voir, en fait, que les autres, effectivement, ne voyaient pas. C'est pour ça que la grâce que Dieu nous a accordée de pouvoir, et c'est pour ça, l'autre fois, nous l'avons lu, il dit, mais ils ont donc les yeux et ils ne voient pas. Mais vous, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Mais la question est de savoir, mon frère et ma soeur, qu'est-ce que vos yeux à vous, quand il regarde effectivement le monde dans lequel nous nous trouvons, dans tout l'environnement dans lequel nous nous trouvons. C'est vrai, frère. J'ai toujours eu à pouvoir vous le dire, effectivement, mais même quand vous êtes quelque part, n'oubliez pas qui vous êtes. Parce que les Hébreux n'étaient pas pareils aux Égyptiens. Ils ne pouvaient pas, effectivement, avoir convoité, parce qu'ils devaient savoir qui ils étaient. Parce que c'était pas un peuple qui pouvait vivre avec les idoles. Souvenez-vous, frères et sœurs, pour que vous puissiez comprendre encore un tout petit peu. Regardez, lorsque Daniel était effectivement amené dans cette partie, effectivement, du royaume de Nebuchadnezzar en Babylone. Daniel, comme il était venu donc de la captivité, effectivement, donc arraché là, puis ramené là-bas, bon, on voulait le mettre donc en honneur. C'est l'aimé qui venait donc à la table du roi. De Nebuchadnezzar. Vous vous rendez compte, effectivement, que j'avais donné ça une fois, cet exemple. Le roi de Belgique, effectivement, ici, le roi, à sa table, on les sert, effectivement, donc, la nourriture qu'on sert au roi. Et le roi dit que cette nourriture ici, vous la prenez, vous allez donner à telle sœur ou à tel frère, peut-être telle personne. Donc, cette personne, chaque jour, on voit qu'effectivement, qu'on vient lui apporter le même mets que le roi. C'est-à-dire la même nourriture que le roi. C'est-à-dire que même dans son quartier, tous ceux qui sont là, regardent, mais vont le prendre avec honneur. Il dit, mais cet homme ou cette famille est honorée par le roi. Et quand même lui sort, effectivement, lorsqu'il marche, effectivement, il sent qu'il est honoré et que les gens aussi l'honorent, effectivement. Il dit, mais si le roi arrive à pouvoir partager son repas avec le monsieur, eh bien, Nebuchadnezzar aussi avait fait comme ça. Avec Daniel. Vous le connaissez? Les mets qui étaient donc à la table du roi, qu'on donnait au roi, eh bien, on a apporté aussi, a donné aussi à Daniel, puis aussi avec ses amis. Mais chose tout à fait bizarre, c'est que Daniel et ses amis refusaient de manger, parce que vous savez, quand on doit avoir de meilleurs cuisiniers, ça doit être celui qui prépare pour le roi. Dans tous les pays, en fait. Oui. Donc, toujours, les meilleurs, c'est toujours pour les présidents ou pour le roi. Donc, pour eux aussi, c'était comme cela. Alors, quand on leur apportait la nourriture, ils devaient s'empresser de pouvoir manger. C'est un jour aussi avec les autres. Parce que ce n'est que la nourriture. Posez-vous la question, pour quelle raison? Et pourtant, c'était la nourriture, non? Que tout le monde pouvait se réjouir et manger, effectivement. Mais pour quelle raison Daniel et les autres ne voulaient pas manger cette nourriture? C'était quand même des humains. On leur a offert cela. Pourquoi, en fait, ils ne pouvaient pas manger? Parce que c'était honorable. On les a honorés. C'est pour ça, frères et sœurs, il faut que nous puissions vraiment nous examiner, entrer en nous-mêmes. C'est absolument important. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, ce que le monde apprécie, ce n'est pas ce que nous sommes censés pouvoir apprécier. Ce que le monde fait, ce n'est pas ce que Dieu attend que nous aussi, nous puissions faire. Parce que ce peuple-là savait que pour nous, en tant que le peuple d'Israël, Dieu nous a montré comment il faut manger.
la nourriture qu'on doit manger, comment il faut faire. Les animaux qu'on devait tuer, qu'on devait tuer, on doit savoir comment c'est. Parce que la manière dont on va le tuer, on ne veut pas étouffer. Parce qu'on ne sait pas. Chez les Bécalessars, c'était un païen. Donc on étouffait, on faisait tout ce qu'on pouvait faire. Mais Dieu avait déjà dit à son peuple, ne m'a pas mangé ça. Mais on avait fait des mélanges à la cuisson. On ne sait pas ce qu'on a fait comme mélange. Mais les autres, on m'a honoré, on t'a honoré. Mais pose un peu la question, mais qu'est-ce que ton Dieu a dit à toi? C'est comme quand tu vas dans des réceptions. Et on te met là des petits verres, effectivement, aussi, là, des coups de coupe là, tout le monde effectivement sourire. Et puis, maman, tu prends bouffe. Mais non, ton Dieu à toi dit quoi? Que tout ce verre-là, même si c'est des fûts de champagne qui sont tellement si bons. Je vous interdis rien, mais vous êtes libre. Les fûts de champagne là qui sont là, effectivement, tu vois, tes yeux commencent à globuleux, et puis tes amis qui sont là. C'est toujours le problème, c'est toujours que diront les autres. Ils vont dire, Paul Bouillet, ces personnes ici, ils sont. C'est toujours ça. Vous avez peur qu'on dise de vous, ils s'habillent comme des grands-pères, ils s'habillent comme des grands-mères, ils ne boivent pas comme les autres, effectivement, ils sont toujours un peu bizarres. Et puis, c'est toujours la technique des démons, en fait. Mais depuis qu'on croit, depuis qu'il croit, mais il était venu comme ça. Et vous savez, il se néglige, hein, même pas un peu de petit, tout ça. Et tout ça, c'est interdit par Dieu. Et puis, c'est Dieu en question, on veut vraiment que tu sois comme ça. Oh, elle était belle, mais maintenant elle est devenue vieille. Et quand tu sens ça, alors là, tu ne veux même pas tenir, c'est pas possible. Alors tu rentres à la maison, le trouble vient. Mon frère, ma sœur, nous ne sommes pas comme les autres. Il faut savoir d'où tu viens. Toi, tu dois savoir d'où tu viens, de quel pays tu appartiens. Tu dis toujours, notre Père qui est aux cieux. Amen. Que ton règne vienne. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre. Ok. Donc lui règne. C'est là qu'il est. Et toi et moi, nous appartenons. Nous le disons, non? Nous sommes citoyens des cieux. Donc citoyen des cieux, ce n'est pas citoyen de la terre. C'est pour ça que, frères et sœurs, nous devons toujours savoir quand... Regardez, les Saintes Écritures, 5 minutes. Les Saintes Écritures nous disent une chose merveilleuse. Et ça, j'ai dit, Dieu d'Abraham, aide-nous. Il dit que la parole de Christ habite... Si cette parole habite abondamment en moi, je ne vois pas d'où viendrait encore une autre influence. Frère, mon collègue de classe ne peut pas m'influencer. La Bible nous dit dans Psaume, hein, que tes préceptes, donc ta parole à toi, ce sont donc mes conseillers. Donc j'ai un conseiller. Donc si j'ai cette parole en moi, dans tous les endroits où je peux me trouver, mon frère et ma soeur, Je regardais, j'ai dit, Jésus-Christ, mon roi, combien tu nous aimes. C'est vrai, j'ai toujours eu à pouvoir dire, nous allons tous dans les hôpitaux, mais j'ai dit, Seigneur, quelle grâce. Tu vas demander au médecin, qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse être en bonne santé. Mais ce n'est pas au médecin, c'est le médecin qui doit te demander, toi. Vous trouvez ça bizarre, hein? Que Dieu nous aide. Je ne vous ai pas dit de ne pas aller à l'hôpital. Hein. Faut pas que, on nous met au moins. Non, non, c'est bon, puis ils ont étudié. Je n'ai jamais dit que c'était mauvais. Mais vous, vous devez savoir qui vous êtes. C'est-à-dire que vous savez ce que Dieu a fait de vous. Bon, lisons une étiquette d'écriture là, puis nous allons nous arrêter il y a 3 minutes là. Dans le livre des Hébreux au chapitre 10, là, nous sommes. Hébreux chapitre 10, il nous dit, merci mon roi, il nous dit une chose. Ah, voilà. Il dit verset 37, il dit, et encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Que Dieu vous bénisse.
Asseyez-vous. Regardez une chose qui est merveilleuse. Cette écriture, nous l'avons lue et c'est là que nous nous accrochons tout ceci parce que Dieu nous a dit ce qu'il faut et que par là, il nous a fait connaître comment les choses vont se passer pour nous. Parce qu'il dit que vous avez encore besoin de là. Avec, verset 36, car vous avez besoin de la persévérance afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous avez promis. Donc, toi et moi, ça, on s'adresse effectivement au peuple de Dieu. Toi et moi, ici, nous savons par la grâce de Dieu que Dieu nous fait savoir que moi, je dois être persévérant. Hein? Donc, la persévérance est quelque chose d'important dans la marche spirituelle d'un croyant. Il faut la persévérance. C'est pour ça que le Seigneur dit toujours dans les Saintes Écritures, fortifie-toi et prends courage. Jamais, jamais, jamais un croyant ou un fils de Dieu, ou jamais d'abord Dieu lui-même, ne peut te décourager. Il va te décourager de commettre le péché. Oui. Ça, sois-en sûr. Vous savez, dans la prière, notre Père, qui est aux cieux, vous connaissez, non? Vous vous souvenez de cela? Qu'est-ce qu'il dit? Vous connaissez. Qu'est-ce qu'il dit encore? Vous savez, notre Père qui est aux cieux, que ton nom, que ton règne et que ta volonté sur la terre comme au ciel. Donne-nous. Que c'est merveilleux. Et après, au merveilleux, et puis. Nous induis pas, ne permet pas que la tentation. Donc, et fais-nous que nous évitions les tentations. Donc, Dieu sait. C'est pour ça, dans la prière, tu le dis aussi. Donc, effectivement, qu'il y a, Seigneur, garde-moi que je ne puisse pas tomber. Donc, Dieu ne va pas te pousser à aller. Tu le pries, quand tu pries, il faut faire attention à ce que tu dis. Non, il ne pourra pas te pousser là-dedans. Il va faire en sorte que tu évites, en fait. Il a fait ça aussi à l'autre aussi. Caïn, vous vous souvenez? Il lui dit toujours. C'est pour ça que, regardez très bien, quand vous aimez tellement Dieu, quand vous sentez peut-être vous allez commencer à vous approcher de faire quelque chose qui n'est pas vraiment bien pour Dieu, vous sentez palpitation. Oui. Vous sentez que votre cœur, en tout cas, commence à perdre le contrôle. Vous sentez que quelque chose de mauvais commence à pouvoir. Et ça, c'est ce qu'on appelle le warning. Vous savez ce que c'est? Donc, Dieu vous avertit. Et quand vous savez, Dieu a une façon extraordinaire de faire les choses. Mais vous, chacun, nous ne faisons pas souvent attention. Et nous forçons, nous passons la barrière. Mais il t'a montré qu'il ne faut pas le faire. Et ça, donc c'est-à-dire que dans une vision que notre Seigneur, il te dira toujours pour marcher avec lui dans une situation dans laquelle, effectivement, même si tu traverses un moment difficile, il te dira toujours fortifie-toi et prends courage. Ne te décourage pas, même si c'est une montagne, ne crains point, sur Babel, vous vous souvenez, non? Quelle est cette grande montagne? C'est vrai, non. Même si la montagne elle est grande. Et t'as dit, toi, tu diras cette montagne au toit de là, qui sera aussi. Donc, c'est pour que nous comprenions que le Seigneur est celui qui nous fortifie. Amen. Et puis, même quand nous sommes dans le trouble, que nous avons des problèmes qui nous trouvent, il dit toujours que la paix. Il dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Toi et moi,
Efforçons-nous toujours d'avoir la paix. Même si on sent qu'on est dans le trouble, effectivement, Seigneur, je supplie mon abandon. Donne-moi la paix, Seigneur, donne-moi la paix, donne-moi la paix, donne-moi la paix. Tu as fait la promesse pour moi, pour la paix. Je veux la paix. Et la paix va descendre dans ton cœur. Tu auras le contrôle de la situation. Souvent, les problèmes, c'est parce que nous oublions que Dieu nous a tout donné. Oui. Nous oublions parce que nous avons un adversaire malin. Il vient d'abord nous mettre des piqûres dans les yeux comme ça, paf, boum, il met les problèmes. Alors, il t'amène les problèmes, il devient trop grand comme ça. Mais toi, tu as un Dieu qui est plus grand. Le problème. Et vous connaissez toujours ce que moi j'aime dans ces cantiques-là, non? L'épreuve aura toujours. N'oubliez jamais. Même si c'est l'océan qui est devant toi, que tu ne sais pas traverser, tu diras toujours, l'épreuve aura son terme. Traverser, je traverserai. Mais comment, je ne sais pas. Mais je sais que de l'autre côté, j'y serai. C'est pour ça que tu as besoin de la persévérance. Persévérance à rester toujours dans, il a dit. Comment ça va se passer? Il a dit. Vous savez, le Seigneur nous a permis que dans les Saintes Écritures, qu'il y ait des événements tellement de différentes manières, différentes façons, effectivement, aussi grandes difficultés, effectivement, avec des hommes. Et qu'il a eu à pouvoir solutionner pour que toi et moi qui sommes arrivés ici, oui, quand même nous pensons un peu, nous tournons un peu le regard pour voir, mais qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont partis, arrivés à cet endroit? La faim, ils ne pouvaient pas savoir même comment pouvoir manger parce qu'il n'y avait rien à manger. Ils avaient soif, c'est vrai, il n'y avait même pas de ruisseaux, c'était désertique effectivement, mais comment pouvaient-ils avoir? Est-ce que Dieu était capable de pouvoir avoir de l'eau quelque part? Vous comprenez? Donc, dans différentes circonstances, effectivement, dans la marche des peuples de Dieu, Dieu a voulu prouver que quand nous avons ces dieux, nous ne devons pas avoir peur. Même si nous ne voyons pas l'issue, et que nous voyons que tout est vraiment fermé, on s'assied là même, on regarde, et dit, mais tu, parfois on arrive, mais telle personne peut me dire, ah, c'est pas possible, il ne pourra jamais. Parce que la personne ne pourra même pas arriver à pouvoir faire quoi que ce soit. Mais quand tout le monde ne sait absolument rien faire pour toi, il y a toujours quelqu'un. Même quand vous avez des dettes, vous ne savez même pas payer la facture et que personne ne sait vous avancer de l'argent, il y aura toujours quelqu'un. Comme on dit, hein, il y a quelqu'un qui m'a aimé. Oui, souvenez-vous qu'il y avait une maman qui avait des dettes et que même les créanciers étaient sur le point de venir pour prendre ses enfants. Mais Dieu était là. Amen. Élisée est venue. Aïe, je suis plein de dettes trouées. Mais c'est Dieu qui a permis son serviteur passe. Je suis plein de dettes trouées par des dettes et tout ça. On va prendre tout ça et dire, mais qu'est-ce que tu as dans ta maison? Vous vous souvenez? Donc, c'est toujours nécessaire, mon frère et ma soeur, de pouvoir réaliser. Parce que nous sommes des humains. Et la nature humaine, c'est une nature qui est tellement angoissée. C'est vrai. Vite angoissée. Oui, parce que pour quelle raison? Parce qu'on ne voit pas le bout du tunnel, en fait. On ne voit vraiment pas tellement très bien l'issue parce que nous ne voyons que ce que nos yeux nous permettent de voir. Mais au-delà, là, il faut d'autres yeux, en fait. Et là, c'est là, comme on dit, même si je ne vois pas tellement bien le bout du chemin, mais je dois avoir confiance, la persévérance. Souvenez-vous de la femme syrophénicienne. Alors, Dieu veut, et c'est ce qu'il veut, effectivement, que nous puissions avoir la persévérance. Pour quelle raison aussi? Parce que dans la persévérance, c'est parce que vous avez l'assurance de la chose. Oui, amen. Si vous n'êtes pas sûr de la chose, vous allez persévérer pourquoi? Suivez. La dame
il était sûr de la personne. Parce que dans son pays, il a bien regardé, il n'y avait personne. Mais elle a eu l'assurance parce qu'elle a vu cet homme-là, ce qu'il a fait dans le pays où il était, en Israël. Il dit, je n'ai jamais vu, ni dans mon pays, ni à côté de moi, quelqu'un qui a fait des choses comme ça. Alors lui là, j'ai vu comment il chassait les démons, j'ai vu comment il chassait les malades, j'ai commencé à guérir les démons, tout ça. Donc tout ça, j'ai vu. Alors quand j'ai vu, j'ai dit, il est la réponse à mon problème. Donc si vous n'avez pas l'assurance de la personne de la chose, effectivement, vous ne pouvez pas persévérer. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. C'est la vérité. Mais c'est parce qu'on est sûr que là, en tout cas, là même sur le chemin, même les gens vont te dire, oh, ça ne peut pas se faire, ça ne se fera pas. Toi, tu vas persévérer. Vous voyez Abraham, non? La Bible dit, espérant contre toute espérance, dont l'homme persévérait. Parce que quoi? Il avait une pleine conviction que ce que Dieu l'a promis, il a la capacité de l'accomplir. Donc on pouvait dire, ta peau, et tu es déjà vieux, ton corps à toi, tu n'as pas la force. Et il dit, ah ah, même si mon corps n'a pas la force, mais puisqu'il a dit lui. Alors là, il pouvait persévérer. C'est la foi. Hein? Amen. Alors, il dit, comme il a dit ici, non, afin que vous parveniez à la position de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, donc toi et moi, auquel l'écriture ici concerne, on doit se sentir concerné. Dieu nous fait savoir une chose, que mon frère et ma soeur, toi qui es fils de Dieu, fille de Dieu, pour que tu obtiennes ce qui t'est nécessaire, absolument il faut que tu accomplisses la volonté de Dieu. Par contre, si tu accomplis ta volonté, la volonté de ton papa, de ta maman, c'est bien dans le naturel. C'est bon. Mais, vous vous souvenez comment les autres disaient, oui, bon, bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pas ça. Mais il faut comprendre qu'effectivement, tout ce que toi, en tant que frère et sœur, tu es censé pouvoir faire, et toi, tu dois être sûr et certain, c'est ne que, même si les traditions des hommes, ou bien les traditions de la famille, les traditions de travail, j'en sais rien, les traditions, et peuvent être des choses dans lesquelles on vous oblige à pouvoir faire, tu peux le faire, ça dépend ce que tu. Mais si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'accomplis pas la volonté de Dieu, je répète bien, la volonté de Dieu. Parce que, vous devez comprendre, vous jeunes qui êtes assis là-bas, c'est aussi important que vous puissiez entendre cela aussi, nécessaire. Oui, c'est nécessaire. Si le Seigneur Jésus-Christ, malgré tout ce qu'il a eu à pouvoir faire, s'il n'avait pas accompli la volonté du Dieu, vous me suivez? Il ne serait pas sorti effectivement du cercueil dans la terre où il était. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est pour ça que vous pouvez remarquer une chose. Et quand il était dans le jardin de Gethsémané, il a dit, si cela était possible, que cette coupe s'éloigne donc. Mais toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Et vous vous souvenez dans le Saintes Écritures, dans le livre des Hébreux, toujours au chapitre 10, je vais vous lire avec vous, moi. Voilà. Mmh.
Verset 1, nous pouvons lire. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation de choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Vous entendez, non? Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ces cultes étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ce sacrifice, car il est impossible là, que les sangs des taureaux et des boucs ôtent les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as grillé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit « Voici donc, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est donc question « Pourquoi ?» Pour faire au Dieu, après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu, tu n'as grillé ni sacrifice ni offrande ni holocauste ni sacrifice pour les péchés, ce qu'on offre selon la loi. » Il dit ensuite « Je viens. » Vous entendez bien? Je viens pour faire quoi? Il abolit ainsi la première chose pour établir. Maintenant, écoutez très bien. C'est en vertu de cette volonté. Donc, c'était nécessaire qu'il fasse la volonté de Dieu. S'il ne l'avait pas fait, vous et moi, nous serons toujours perdus. Donc, mon frère et ma soeur, toi et moi, aujourd'hui, là, nous ne devons plus chercher la volonté de qui que ce soit, de quoi, non, non. C'est toujours chercher la volonté de Dieu. Si toi, tu n'accomplis pas la volonté de Dieu, tu peux oublier. C'est pour ça que vous entendez des hommes comme l'apôtre, vous me donnez un peu de temps, l'apôtre Paul qui dit, est-ce, vous écoutez bien, non, dans Galates, c'est là, si vous connaissez bien, c'est cela, Galates, oui, Galates, voilà, voilà, Galates au chapitre 11, c'est ça que c'est cela, oui, voilà, voilà, ah, on peut voir, ah, de dire aussi, à partir du verset, verset 10. Galates 1, verset 10, il dit, et maintenant, c'est l'apôtre Paul, hein, est-ce la faveur des hommes que je désire? Donc pour me plier à la volonté des hommes, pour plaire aux hommes, c'est cela, non? Il dit, c'est ce que je désire. Il dit, ou celle de Dieu, que je fasse la volonté des hommes. Ou la volonté, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est cela que nous devons comprendre, mon frère et ma soeur. En tant que fils et fille de Dieu, Dieu ne peut nous agréer, parce que c'est Dieu quand même, ne peut nous agréer que quand nous faisons et que nous ferons sa volonté, mais sa volonté parfaite. Donc, si aujourd'hui dans notre marche, c'est pour ça qu'il nous parle en fait pour que nos yeux puissent s'ouvrir. Nous avons tendance à pouvoir vouloir d'abord faire ce que nous sentons comme c'est ça, c'est ce que je sens, même si cela te convient. Parce que vous savez, la volonté de Dieu ne plaît pas à tout le monde. C'est sûr et certain. Souvent ici, on se réjouit. Alléluia, nous aimons la parole de Dieu. Je vous observe toujours. Hein, vous aimez la parole de Dieu. Mais quand maintenant il arrive qu'on vous met la parole de Dieu devant vous, dans une situation ou dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est difficile de faire le choix de ce que les saintes écritures vous disent, parce que ça ne vous conviendra pas. Alors, si nous sommes dans cette condition-là, que nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Que si nous sommes dans cette condition-là, que nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu, nous désirons donc faire la volonté des hommes. La faveur des hommes pour plaire aux hommes. Alors, si nous le faisons ainsi, alors, pourrons-nous vraiment attendre quelque chose de meilleur de la part de Dieu pour nous?
Déjà, de nature, naturellement, nous les hommes, si toi tu ne fais pas ce que moi je te demande, moi un être humain, je ne serais même pas ton camarade. Tu ne t'entendrais pas. D'ailleurs, dans les couples, c'est comme ça. Ça devient froid un peu. Je ne suis pas rentré dans le mariage. J'ai dit, vous savez, vous avez déjà dit ici, hein. Écoutez là, c'est aussi longtemps que Dieu ne m'a rien dit. Ça reste comme ça. Et quand on touche là, ça. C'est très sensible, hein. Mais il faut qu'on puisse tout arracher, quoi. On doit tout arracher pour que tous ces démons-là qui se sont toujours cachés sous des couvertures, ils doivent vraiment sortir. Oui, on doit les chasser. Ils ne peuvent plus rester. Nous avons pris cette décision. Nous avons déclaré la guerre à tout péché. Aha, nous voulons à toute la terre. Mais la liberté, nous marchons avec assurance. Porter l'espérance. Oh, merveilleux, hein? Nous avons déclaré la guerre. Donc, nous sommes appelés à chasser les démons. Vous ne leur donnez pas, en fait, l'abri. Quand on le chasse, soulevez partout chez vous, dites-le à maman, afin que d'ici là, ils entendent qu'effectivement, on ne vous veut plus. Sortez de chez nous. Oui. Que Jésus-Christ, notre Seigneur, prenne son contrôle. Que ça soit dur avec lui, nous acceptons. Que Dieu nous aide. Nous terminons la lecture 1. Nous retournons dans les Hébreux, chapitre 10. Vite, rapidement, et puis nous prions. Voilà, alors il nous dit ici, voilà que ça dit, voilà qu'il dit. Après donc avoir accompli la volonté de Dieu, n'oubliez pas cela, seule sa volonté puisse s'accomplir, et que ce que, si notre Seigneur l'a fait, et que lui il a vaincu, et que lui il est en nous maintenant, alors on ne peut pas faire autrement. Puisque nous l'aimons. Alors nous acceptons qu'il soit là. C'est pour ça, frères et sœurs, faites tous vos efforts pour que nous rendions vraiment honneur au Seigneur. Que notre Dieu doit être honoré et respecté dans notre comportement, dans notre vie, s'il faut mourir pour l'évangile ici. Dieu nous aide. Vous pensez que ce sont des paroles en l'air? Non, ce sont des vraies paroles, parce que tous ceux qui nous ont précédés, Paul est mort pour ça. Vous chantez les cantiques, n'est-ce pas, hein, Marie? Les apôtres, je ne sais pas. Merci beaucoup. Et alors, les sangs. L'évangile du Saint-Esprit, il ruisselle de sang. Vous comprenez? Le sang des disciples, mort pour la vérité. Merci. Vous voyez pourquoi il faut prier pour eux? Ils sont importants. Parce que quand vous ne savez pas c'est quoi il s'agit, ils comprennent et puis ils continuent à chanter. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour vous vraiment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous purifie. Vous comprenez donc? Alors, vous comprenez que tout cela, oui. Nous sommes bien dans le confort. Mais nos frères qui nous ont précédés, on les a frappés. On les a même là pour mis la main. Non, vous savez, c'est très dur, hein. Quand je lisais les témoignages de ces gens-là, j'ai dit, Jésus-Christ, mon roi, il y a eu des hommes et des femmes qui ont eu foi en toi. Ils ont accepté que même si on devait tuer leur enfant, jamais ils pouvaient renier la parole de Dieu. Lisez les martyrs. Lisez, vous pouvez comprendre que à cet moment, nous n'avons vraiment pas eu à pouvoir atteindre la foi comme ça. C'est
C'est pour ça qu'il nous est nécessaire de pouvoir tout faire pour accomplir rien que la volonté de Dieu. Donc en fait, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est donc. Donc si nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu, et que moi j'accomplis ma volonté, les deux ne peuvent pas marcher ensemble. C'est la raison pour laquelle on nous dit toujours qu'il faut naître de nouveau. C'est-à-dire on est mort à ses sentiments, on est mort à soi-même. Puis comme j'ai toujours, je crois que je l'ai dit dimanche, un fils de Dieu, une fille de Dieu doit toujours être juste. Bon, j'ai lu ça peut-être, bon, on va prier. Voilà. Vous permettez, hein? J'ai lu ça. Regardez très bien, parce qu'on va dire, ah, mais il nous raconte encore des histoires. J'ai lu ça, et puis on se lève, on prie ensemble. C'est dans 1 Jean au chapitre 3, c'est cela, oui. C'est car. Vas-y, Cassine, c'est tout. Jean chapitre 3, nous pouvons lire à partir du verset 9. Je vous explique. 1 Jean 3, verset 9, il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas, parce que la semence de Dieu demeure, donc il ne peut pécher parce qu'il est né. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du. Maintenant, on dit au verset suivant, on dit, quiconque ne pratique pas la justice. Entendez cela? N'est pas de Dieu. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Donc, celui qui pratique la justice est bien de Dieu. C'est pour ça que dans le verset suivant de ce que nous avons lu ici dans les Hébreux chapitre 10, il dit, si vous suivez bien, il nous dit, mon juste, vous tenez bien cet écrit, hein? Hébreux chapitre 10, voilà, si, le verset 38, il dit, et mon juste vivra par la foi. Il dit bien, mon juste vivra donc par la foi. Puisque lui-même, il est juste, nous sommes censés pouvoir être justes aussi. Il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. C'est pour ça que dans tout ce que nous devons faire, effectivement, il faut que nous nous sondions nous-mêmes. Voir notre sentiment dans telle situation, qu'est-ce que nous avons dans notre cœur. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous, nous allons donc prier. Tendre Père et précieux Sauveur, nous nous tenons encore devant ton trône de grâce pour te dire combien tu es tellement bon. Merci pour ton amour, merci encore pour ta bonté, merci encore pour ta grâce, merci encore pour ton soutien, merci encore pour ton secours. Personne, nous nous mettons devant toi parce que nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Tu nous instruis pour que nous puissions arriver à pouvoir atteindre, Père Tout-Puissant Dieu, ce que toi, tu nous as eu à pouvoir. Promis, Père Saint-Dieu. Tu as promis, Père Saint-Dieu, et ta parole à toi est vraie, Seigneur. Nous restons attachés à toi. Nous te disons merci encore pour ta bonté, pour ton amour, pour tes compassions, Père Saint-Dieu, pour la grandeur de ton nom et pour la promesse que tu nous as faite, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous a placés sur ce chemin, Seigneur. Oh Dieu, nous a accordé la grâce de pouvoir voir ce qui nous est vraiment nécessaire. Oh Dieu, tu as vraiment parlé clairement, Père Saint-Dieu, afin que nous puissions comprendre que réellement, très certainement, Père Saint-Dieu,
pour que nous puissions l'obtenir, mon Dieu, bénémoine, Père Saint-Dieu. Seigneur, tu veux que nous puissions, et c'est là ce que tu as dit, une condition, Père Saint-Dieu, pour que nous puissions y être. Seigneur, accomplir ta volonté à toi. Sois béni donc, exalté, Seigneur, et que nous puissions vraiment demeurer en tant que peuple de Dieu, tout à fait, Père Saint-Dieu, marchant dans la justice, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, étant juste dans tout ce que nous faisons. Oui, que ton nom soit béni, qu'il soit donc exalté, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Oh, Dieu du ciel, tiens-nous par ta main, Seigneur, et aide-nous encore davantage, mon roi, que ta volonté soit faite, Père Saint-Dieu, en nous, Père Saint-Dieu, en tant que ton peuple, mon roi. Sois béni, sois exalté, Père Saint-Dieu, et sois glorifié encore. Mon âme te loue et mon âme te glorifie encore pour ta bonté, Seigneur. Bénis mon frère et bénis aussi ma soeur, mon roi, et soutiens chacun de nous, bénis-moi encore aujourd'hui, car nous avons tellement besoin de toi, Père. À toi donc la gloire, à toi donc l'honneur, à toi donc la puissance et la victoire. Nous te remercions. Sois béni et sois exalté encore aujourd'hui, Père Saint-Dieu. Mon Père, je te remercie encore parce que tu es Dieu. Tu es roi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Je te remets encore notre précieux frère Jonas, Seigneur, là où il est. Que tu le bénisses, mon roi, que tu le protèges, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pendant son séjour qu'il est là-bas, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et ramène-nous, Père Saint-Dieu, en bonne santé. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom. Sois donc béni, sois exalté, Père Saint-Dieu, pour chaque frère et aussi pour chaque sœur. À toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance et la victoire que tu nous as donné, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse richement et qu'il soit avec vous. Que Dieu te bénisse.66 dans les spéciaux. Nous voulons vous chanter pour pouvoir vous dire la raison qui nous fait tellement réjouir. Nous étions dans les chaînes, mais l'homme de Nazareth a payé la peine et nous a libérés, nous a libérés. Alors vous comprenez.
Pour